Salut tout le monde, c'est Ethan, 1975, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play AOT Final Battle, le 10ème épisode si ma mémoire est bonne. Et la dernière fois on s'était laissé en plein milieu de l'histoire des guerriers, donc l'histoire du point de vue de Aini, Rainer et Bertholdt, et Sieg aussi. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode duel où nous allons contrôler Sieg, étonnamment j'ai envie de dire, mais ça, on l'avait pas encore contrôlé au début. Et du coup, je crois qu'on va affronter... comment qu'il s'appelle? Rainer. Il me semble. Parce que du coup, c'est la fameuse image que qu'on avait vue, je sais plus dans quel tome. Où, voilà, où il a tapé Rainer. Suite à sa défaite contre le bataillon d'exploration Astoes, Annie s'était cristallisée et devient prisonnière de l'humanité. Pendant ce temps, le capitaine des guerriers, le titan bestial Sieg, revint de leur ville d'origine. En tant que leur chef, sa priorité était de récupérer l'axe, mais Rainer, soutenu par Bertholdt, avait une autre dans laquelle il... Il tenait fermement à libérer Annie. La profonde divergence d'opinion entre les deux guerriers se solda par un duel que Rainer a lamentablement perdu, qui se déroula sous les yeux de Bertholdt, opposant les titans cuirassés Rainer au titan bestial Sieg. Mais moi j'ai l'âge des cailloux. Ah ouais, des cailloux. Alors, ça va chier des balls. Boum. Voilà, déjà pour commencer, tu te calmes. En même temps, il se jette sur moi, le con là aussi. Là, putain, il est nul. T'es nul, t'es mauvais. En plus, il s'en bat les reins. Sieg, il mange le respect des fois, hein, quand même. La musique était stylée, par contre, en vrai. Voilà. J'ai bien fait péter la tronche. C'est une victoire pour nous. Notre chère Annie, ça va cependant devoir attendre. Voilà la fameuse image. Vous savez qu'on doit d'abord s'occuper de récupérer l'axe. Plus on attendra, plus vite il nous retrouvera. Ils nous retrouveront, pardon. Annie s'en sortira. Elle n'est pas torturée ou quelque chose du genre. Elle a dû leur échapper et maintenant elle se cache. D'ailleurs, elle s'entraîne sûrement au combat pendant qu'on parle. Faux. Mais même s'il s'agit d'Annie. Tiens, tiens, tiens. Alors, on n'est pas si dévoué que ça à la cause en fin de compte. Vas-y, essaie encore, Rainer. Mais sache que si tu échoues, je confierai ton cuirassé à quelqu'un d'autre. Eh oui. D'accord, il a le seum. Hein. Alors, ressaisis-toi, ça va assez durer. Qu'on en finisse avec tout ça, vous et moi ensemble. Ouais, bah c'est pas vraiment ce qui va se passer. Hein. Ok, mission suivante. Je pense qu'on va terminer l'histoire des guerriers aujourd'hui. Hein. Ce qui veut dire que le 10ème épisode de ce Let's Play sera probablement le dernier. Hein. Et après normalement, il y aura rien. Puisque du coup, il y aura un Let's Play qui supplantera celui de Poké Park. Donc voilà, ouais, il nous reste deux missions plus un petit bout de texte à lire, donc ça va. Alors, au sommet du mur Ashikantina, quelques jours plus tard. Tandis que le groupe attendait au sommet du mur, le Titan Charrette devant leur donner l'alerte, l'ennemi est arrivé. Ouais. Le moment était venu d'oublier Annie et de se battre. Le moment était venu de reprendre l'axe et mettre un terme à cette absurdité et à ce monde cruel. Lol, je te le répète, toi et moi, on va plus dans la même direction maintenant. Il est temps que tu prennes les choses en main. J'en suis conscient. De tout, c'est toi qui as le plus grand pouvoir, mais quand les choses se compliquent, tu laisses toujours aux autres toutes les responsabilités. Honnêtement, on ne peut jamais compter sur toi, il faut que tu changes ça. Yes, c'est violent comme propos quand même. On va en finir avec toute cette histoire ici et maintenant. Non. Oui, on va les écraser et mettre un drame à tout ça. C'est parti, je compte sur toi. Laisse-moi faire. NDR. Vous allez voir si ça va se passer comme prévu, lol. Alors, combat à mort, oui, ce moment où on affronte, commençons, près du mur Maria. Rainer aurait déjà dû se transformer. Où est le signal, Rainer? Tu t'en sors là-bas? Transpire comme Jaja. Au sommet du mur,
Vers une demi-heure plus tôt. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il est monté et puis il a croisé le regard d'Erwin. Erwin Smith. On reste concentré, les chevaux d'abord. Coucou! Eren, qu'est-ce qu'il fait là à découvert? Il sait pourtant qu'il est notre cible. Est-ce qu'il essaie d'utiliser son titan pour passer le mur et s'échapper? On ne peut pas laisser retourner dans l'enceinte des murs. Une fois qu'il aura pleinement acquis le pouvoir de l'axe, il sera trop tard. Mais s'il tenait juste à s'échapper, pourquoi il s'en transformerait ici dans Shingon China? Je vois clair dans leur jeu, ils utilisent Eren comme appât pour m'éloigner des chevaux. D'accord. Et une fois que je l'aurai rattrapé... Ah bah oui! Rattrapé par ses convictions, NDR. Dommage. Salut, Eren! Tu m'excuseras, mais là, tes chances de victoire sont minimes quand même. Voilà. J'ai gagné, lol. Suivez-moi, lol. Ouais. Et c'est le moment où tu vas te prendre les lances dans la gueule. Voilà. Ouais, voilà le signal. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu en cinématique. Ah, et ça, c'est ce qu'on n'avait pas vu par contre. Bertolt, on peut parler. Pourquoi vous vous soumettez tous si j'accepte? On a deux objectifs. D'abord, repartir avec Eren et ensuite exterminer tous les humains qui vivent entre ces murs jusqu'au dernier. Voilà la vérité. L'horrible vérité à Eren, c'est comme ça, c'est la vie. D'accord. Comme c'est dommage, tu sais qu'Annie est prisonnière de Bigrade spécial, ils lui font les pires atrocités, mais toi tu pourrais la sortir de là. À ce rythme-là, il vaudrait peut-être mieux pour elle que... Ah. Allez, vous gênez pas si vous l'avez vraiment capturée. Tu pensais vraiment que prononcer son nom suffira à me déstabiliser? Non, tu essaies juste de gagner du temps pour que les autres puissent tranquillement attaquer Reiner. Si tu as vu clair dans mon jeu, alors pourquoi répondre? Je voulais me tester pour voir si j'implorerais à nouveau ta pitié. Mais il semblerait que non. Vous avez tous été de bons amis pour moi et maintenant vous allez tous mourir dignement. Parce que nous sommes tous les enfants du démon. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de démon en ce monde. Vous devez quand même tous mourir. Il n'y a pas d'autre issue. Bah si, connard. T'as cru on va te laisser faire? Bon. Et on se retrouve normalement avec la dernière mission de ce let's play qui va clôturer du coup bah, ce let's play. Hein, je me répète, mais voilà. La dernière mission du jeu, enfin du mode épisode de deux personnages plutôt, qui donc se nomme, j'ai pas très bien lu, voilà, retour à la maison en fait, c'est la, bah, c'est la fin quoi. Quand on se tire, quelques heures plus tard... Les bataillons d'exploration avaient mis Reiner dans le pétrin, mais Sieg et le titan quadrupède réussirent à le sauver de justesse. Reiner, tu as de la veine, petit. Ils réussirent à s'éloigner du district de Shingon China et se diriger maintenant vers le sud par-delà le mur Maria. LOL. Direction l'océan, sans faire de détour. D'accord. Ah non! Attends-moi. Ouais, on a réussi. Mais on n'a pas fini la mission, je crois, non? C'est vrai que je me suis tellement pas ravitaillé en mode OZF, frère. Les titans viennent d'apparaître. Youpi! C'est la joie! Bah voilà! Ça, c'est un problème résolu. Et très simple. Ouais, on s'en va. Ah,
On est tiré. On dirait bien. Alors on rentre chez nous. Ah, moi. Ah là là. Vice-capitaine Brom. Ça, c'est. Ça, en vrai, ça tisse tellement la suite. C'est incroyable. Juste cette scène, elle tisse tellement la suite. Et le générique spécial méchant pendant lequel je vais pouvoir faire mon petit speech de fin. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode et de ce let's play. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé que ce soit cet épisode ou le let's play dans sa globalité, hein. Personnellement, j'ai pris pas mal de plaisir à tourner, sachant que j'aime beaucoup la saison 3. J'aime beaucoup la saison 3 tout court. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me soutenir via Utip. Le lien est dans la description. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien entendu, si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, sur ce, moi je vous dis au prochain let's play. Puisque je ne sais pas encore quel sera le prochain jeu. En let's play sur ma chaîne. Du coup, je vous dis au prochain let's play. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !